Vous avez évoqué dans votre discours la démission ce matin de Bruno Vuillard, votre premier adjoint. Une vraie surprise. Oui, totalement. Mais bon, voilà, vous savez, la vie politique est ainsi faite. Ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Je pense que être maire de Paris, c'est une vocation. J'ai la vocation, il vaut mieux d'ailleurs. Et je suis très heureuse de pouvoir accueillir maintenant à mes côtés comme premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui est ici, qui s'occupait déjà des finances à mes côtés, qui jouait déjà un rôle très important, mais qui va encore renforcer son rôle au sein de l'équipe, et puis d'accueillir aussi sur la culture Christophe Girard, qui n'est pas sur ce sujet-là totalement novice, puisqu'il a déjà occupé ses fonctions. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir cette équipe renforcée à mes côtés. En tous les cas, voilà, on avance et c'est comme ça, je crois, que les Parisiens souhaitent aussi que leurs élus agissent et qu'on s'occupe d'eux. Pensez d'abord aux Parisiens et le reste, ce ne sont que des soubresauts de la vie politique. Comment est-ce que vous